Va-t-on enfin les êtres humains lire aux larmes de la peur, en tirer les armes, écouter leur cœur, qui se bat pour la vie. Au-delà de nos parents, je pense à tous leurs camarades du procès des 42 et qui ont été exécutés ici même. Merci de rendre ainsi hommage, au-delà de nos parents, à tous ceux qui ont résisté activement, nous permettant d'être ici ce soir libres. Il faut relire toutes ces lettres pour saisir le sens de leur engagement, de leur vie et de leur mort. Par exemple, Alexandre Fourny, militant socialiste, engagé très tôt dans la résistance, maire adjoint de Nantes. « Ma tendre chère, quand tu recevras cette lettre, j'aurai cessé d'exister. Nous nous sommes embrassés pour la dernière fois. Je te demande d'être courageuse avec nos chers enfants et ta mère et de continuer à regarder l'avenir avec confiance. » Léon Jost, le grand moment est venu. Nous venons d'être informés que nous serons fusillés aujourd'hui. L'honneur qui m'avait été refusé une première fois va m'être accordé. Je vais mourir pour la France. Claude Millot, contrôleur principal des contributions indirectes, arrêté le 31 août 1942. Il faudra plus tard qu'on sache que nous avons souffert, mais que crânement nous tenions tête. Mais qu'importe. Nous savons que très bientôt le soleil brillera pour tout le monde. Tant pis si nous ne sommes plus là. Nous aurons été les dernières victimes. Mais dehors, les événements vont vite. Et notre victoire, nous le savons, avance à pas de géant. Au revoir, mon aimé. J'ai aussi des moments de douceur. Ceux où je contemple ton cher et beau visage, comme je t'aime. Nous venons d'en dévoiler la plaque ensemble, avec les familles. Oui, soyons dignes, aujourd'hui, de celles et ceux qui sont morts en donnant leur vie pour l'honneur de leur pays, pour que se lève à nouveau le soleil de la liberté. Pour que le chaos et la folie destructrice des hommes n'aient jamais raison des valeurs que nous défendons, celles de la paix et de la démocratie, de la solidarité, de la justice, du respect de la dignité humaine et de la liberté. La flamme de la résistance ne doit jamais s'éteindre et ne s'éteindra jamais.